alternance au bureau de code Agen en qualité de responsable d'équipe logistique. Et effectivement, après avoir suivi d'autres modules tels que en ligne, tels que logistique des mines, logistique hydrocarbures, et cette semaine, nous venons, comment ça s'appelle, de façon présentielle, découvrir avec le cabinet en logistique, un cabinet à l'échelle internationale, et les modules sur l'élaboration de business plan, d'abord business plan modèle, il y a aussi levée de fonds. Enfin, la partie la plus importante, vraiment, c'est celle-là qui consiste à mieux gérer comment ça fait son entreprise. Nous sommes ici aussi les jeux suivis du 22 au 26 et la promotion sur la gestion des entreprises, le business plan et le business model de nouvelle génération. Je connais et pour logistique à travers l'association Booster l'éducation. C'est à travers cette formation que nous avons beaucoup appris. Nous sommes l'association ABE et le directeur général du pôle logistique pour les savoirs partagés. Je suis le coupeur pour logistique à travers les sites internet. Donc, et avec, par l'adresse de l'association ABI, donc cette fusion nous a permis d'assister à l'information sur trois modules, le business model, business plan et montage du dossier du financement. Donc, en tout cas, j'encourage vraiment les gens, les uns et les autres, à s'inscrire à le pôle logistique. Il y a beaucoup de formations qui sont à leur disposition, que ce soit en ligne ou bien que ce soit en présentiel. Pôle logistique, c'est un meilleur cabinet de formation. Donc, j'invite tout un chacun à s'y intéresser. Logistique avec le cabinet Pôle logistique. Je le remercie vraiment. Et m'a vraiment éveillé l'esprit. Aujourd'hui, ça fait ma sixième formation avec Pôle logistique. J'ai commencé par la gestion d'une base humanitaire. Ensuite, nous avons fait des imports-exports. Ensuite, nous avons fait la logistique des mines, bien que je suis minier. Ensuite, nous avons fait la logistique des hydrocarbures. Nous avons fait maintenant la logistique événementielle. Et on vient de finir avec le business plan. Donc, je suis près de moi un musicien plein. Il y a une opportunité qu'on vient de saisir à Arlit, qui est pour le logistique, qui est venu spécialement pour nous aider à nous former et à développer notre talent caché et à stimuler davantage les talents cachés. Donc ça, c'est une opportunité à saisir et j'exhorte beaucoup les d'Arlitois à venir quand même profiter de cette aubaine. Et là, ça, c'est un très bon endroit pour nous à l'être parce qu'on est tellement éloigné et enclavé. Donc aujourd'hui, si nous avons l'opportunité de saisir déjà des telles formations, ça, je suis voleur camionneur à Somalie. J'étais avec Pôle logistique depuis 2019. J'ai suivi plusieurs formations, entre autres la logistique des mines. Aujourd'hui, avec la collaboration d'une association à Arlit, je physiquement assister à la formation gestion des entreprises, un business plan à travers
travers l'association ABRE, donc aujourd'hui, pour logistique physiquement. Depuis 2019, c'était en ligne, on faisait les cours. C'était très bien, c'était magnifique. Pour logistique, c'est vraiment un sanctuaire de savoir. Merci beaucoup à Pôle Logistique de séjourner ici à Lille. En tout cas, du 22 au 26, dans le cadre de partenariat avec l'association Booster l'éducation, dont je suis le président. Et nous remercions sincèrement vraiment la mobilisation du représentant de Pôle Logistique, M. Jean. Sa sympathie, vraiment la relation qu'on a eue avec lui, c'est plus que dans le cadre de formation. On est allé loin, on est une famille maintenant avec lui. Merci également vraiment pour Logistique, pour sa détermination à accompagner les associations telles que nous sommes. Et on remercie également tous les participants qui se sont mobilisés. Il faut le savoir, cette formation, ce séminaire, on l'a mis en place dans l'optique de faire un don à l'endroit des jeunes scolaires et des écoles du Niger. Nous remercions pour Logistique et surtout son directeur Jean qui a bien accepté. Malgré son calendrier, n'est-ce pas? Malgré les difficultés, notre voie, nos routes, venir jusqu'à Arlette pour dispenser ces modules. Donc ces modules ont été très intéressants parce que l'enseignement a été pragmatique, n'est-ce pas? Basé sur des expériences vécues, pas de la littérature que nous connaissons. Donc vraiment, merci beaucoup, merci à Pôle Logistique et à ABE. Et je ne terminerai pas sans dire merci à tous les participants ainsi qu'à la commission des loisirs OP Somaïr.